Yo tout le monde, c'est Monsieur Jack, comment allez-vous? Écoutez-moi, à part ça va très 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 bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on est mardi, emplacement de la voiture abandonnée. Cette fois-ci, c'est la numéro 22, oui, ça commence à chiffrer un petit peu. Et ça va être la Barracuda, je ne sais pas encore quel projet c'est, on va découvrir ça ensemble. Donc comme d'habitude, on va faire un tour sur la carte, je vous montre l'emplacement. On part en custom et on va blablater un tout petit peu, j'ai pas mal de choses à vous dire. Simplement... Après cette vidéo-là, il y aura une autre vidéo qui arrive dans le cours de la soirée, tout simplement. Enfin bref, à tout de suite pour l'emplacement de la Barracuda. Allez, tout de suite. Alors, me voici sur la carte de Need for Speed. Donc, comme d'habitude, sauf que là, je suis sur PS4, les gars. Premier emplacement de voiture abandonnée sur PS4. Donc, moi, personnellement, je ne l'ai pas, donc je kiffe. Je kiffe tout simplement. Enfin bref, c'est pas le sujet. Elle se trouve ici, vous allez tout en haut de la map et vous allez vous diriger vers cette station-là. Tout simplement, vous spawnez dessus, vous suivez cette route-là, tac, 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 et bim, ça va être l'emplacement de la Mazda qu'il y avait eu. Il y avait eu aussi la Skyline GTR, etc., etc. Vous allez ici même, vous allez spawner juste à côté, ouais, spawner, vous allez aller jusqu'à les... vous allez aller jusqu'à le petit abribus, là, et vous allez trouver cette petite... Tout simplement Barracuda. Enfin bref, on se retrouve tout de suite pour la customisation et j'ai deux trois petites choses à vous dire. Allez, tout de suite. Donc là voilà, cette Barracuda, enfin, alors j'en ai chié pour faire la course. Je vous le dis honnêtement, j'en ai chié, je sais pas pourquoi, mais j'en ai chié. Enfin bref. Donc vous voyez que je suis actuellement sur PS4, vous le voyez à mon niveau, etc., mon argent. Alors la customisation, j'avais totalement oublié, mais vu que je suis bas niveau, j'ai pas tout débloqué tout simplement. Alors pour les personnes qui me demandent comment on débloque telle et telle et telle et telle chose, alors il est simple, il suffit en fait d'aller tout simplement sur les parties que vous voulez débloquer et vous allez voir que vous allez avoir des... Voilà. Comme vous voyez, des petits défis, donc conduire à 282 km/h pendant 3 secondes, où ça va être drifté, etc., etc. Là, voilà, c'est ça en fait les défis pour tout débloquer, tout simplement. Voilà, c'est la même chose pour les jantes, etc., etc. C'est des tout petits défis qui se fait au fur et à mesure des choses que vous faites dans le jeu, tout simplement. Enfin bref. Donc la customisation va aller vite. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous sommes mardi. Mardi, il y a aussi normalement la mise à jour qui devait tomber. Eh ben non, la mise à jour sera le 19. Donc tout simplement le 19, je suis très déçu. Je pensais qu'ils allaient enfin changer les choses. Nous mettre quand même un DLC vraiment parce que là vraiment tout le monde attend du renouveau. Moi j'ai des abonnés qui me parlent etc. qui me disent honnêtement je lâche j'en ai marre, il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien du tout. Moi je lâche et ce qui est totalement compréhensible et je ne peux pas en vouloir à vous de lâcher parce que moi j'aurais fait exactement pareil. Le problème c'est que moi voilà je crée du contenu sur ce jeu. Donc, je m'efforce à y aller. Je vous avoue que je serais un joueur lambda, j'aurais lâché le jeu depuis bien longtemps. Tout simplement, je reviendrai uniquement que quand il y a les DLC et ces choses-là. De plus, donc hier j'avais annoncé qu'aujourd'hui devait avoir la mise à jour. Alors c'était pas sûr, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je dis s'il y a d'autres infos, je vous les donnerai. Les autres infos est-elle que aujourd'hui, voilà, ils ont annoncé donc. On allait avoir des nouvelles voitures, etc., etc. Je vais en faire une vidéo juste après celle-ci. Ne vous inquiétez pas, elle sera disponible. Voilà, la mise à jour que le 19 juin. Donc, je suis désolé pour ceux qui ont cru que ça allait être aujourd'hui. Moi, normalement, d'après ce qu'ils disaient, ils nous disaient tenez-vous prêt demain, etc., etc. D'habitude, quand ils lancent des mises à jour, c'est le jour même. Ils nous lancent sous le capot numéro un tel. Tac, c'est le jour même. Là, ça n'a pas été le cas. J'étais un peu dégoûté parce que je me suis dit, putain, ils vont croire que j'essaye de faire du fake news, etc. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Bah, du coup, la customisation aura été plutôt vite. La customisation aura été un peu vite parce que du coup, bah, je peux rien faire. Parce que tout ce que je vais faire, ça va être dégueulasse. Donc, bah, du coup, bah, on va être obligé de s'arrêter là. Et puis, de toute manière, voilà, moi, je vais quand même... oh oui, je n'avais pas parlé, on l'a en mission. Le mode qui sert à rien du tout, nous l'ont mis. Bon, bah, comme ça, au moins, c'est fait. On a la Barracuda mission.
c'est comme ça, ma foi. Donc voilà, donc vous voyez que je peux pas totalement en fait customiser la voiture. Je suis désolé, la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude, mais on va faire place à l'autre vidéo, comme ça au moins vous pourrez passer directement à autre chose. Donc voilà, donc je m'excuse pour les personnes qui ont cru que ça allait être aujourd'hui la vidéo, la mise à jour. Je suis désolé, mais voilà, moi j'ai cru comme beaucoup de personnes l'ont cru, et du coup on s'est tous fait avoir. Enfin bref. Donc voilà, c'était tout pour cette petite voiture, donc cette petite Plymouth Barracuda, donc en mission. Je suis dégoûté du mode qu'elle est, honnêtement, encore une voiture que je vais vendre pour me faire des crédits, vu que je recommence le jeu, il me faut des crédits, donc là, je vais en profiter, honnêtement, pour la foutre à la poubelle, celle-ci, elle ne sert strictement à rien. Enfin bref, donc j'espère quand même que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne et que le contenu te plaît, clique sur le petit logo qui aura au milieu de ma tronche. Et puis voilà, tout le monde est content. C'était Monsieur Jack. Puce. Et on se retrouve pour la deuxième vidéo. Alors, elle arrive soit ce soir, soit demain. Enfin bref. Allez, ciao.